Alors donc là depuis tout à l'heure on écoute les Tangents 500, les Klipsch. En fait bah, pour la petite présentation, une brève présentation hein, de celle-ci. Donc c'est ni plus ni moins des Klipsch Hérésie. Donc il me semble que c'est les mêmes haut-parleurs que les Hérésie 2. Donc le tweeter à compression, médium à compression, le HP de grave. Donc ça c'est les mêmes que sur la Hérésie. Après, sur celle-ci, en fait, ils ont rajouté un haut-parleur passif à demi-rouleau. Et du coup, en fait, on a quand même un bon grave. Le son, il est vachement bon. Et en plus, c'est des enceintes, elles sont closes. Je sais pas si on peut le voir. Là, ici, voilà, c'est enceinte close, hein. Ils ont mis vraiment tout ce qu'il y a de plus simple dedans. Voilà. C'est des enceintes qui sont plutôt légères. Donc, elles font franchement. Je pense qu'au niveau coût de conception, elles n'ont pas coûté cher. Mais franchement, le son, il est très bon. Donc c'est ça, en fait, moi, qui me surprend avec ces Klipsch. Qui plus est, les Hérésie, en plus, enfin, à l'heure actuelle, elles valent quand même cher. Donc ça, c'est des enceintes qui sont vraiment à tarif. Pour moi, il n'y a pas de tarif équivalent. Et en plus de ça, elles ont un superbe son, en fait. Donc voilà. Donc là, je vais vous passer un petit trio de jazz. Hop. En fait, c'est des enceintes qui sont hyper détaillées. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur celles-ci? Elles ont été créées dans un nombre limité, en fait, parce qu'elles étaient destinées pour l'armée américaine. Du coup, il n'y en a pas eu beaucoup. Et en fait, ce qui doit la différencier avec les autres séries, bah, avec les Hérésies, justement, c'est que là, ils ont mis vraiment, on va dire, le bois, c'est basique. Je ne vais pas dire bas de gamme, mais voilà, enfin, ils ont mis le plus d'économies. Le filtre, il est vraiment minime parce que j'ai démonté les HP. Hein. C'est des HP en tôle. Les deux, hein, que ce soit le passif ou celui qui est actif. Et puis sinon, bah sinon c'est tout. Hein. Mais bon, voilà, moi en fait ce qui me surprend, c'est vraiment le rapport qualité-prix de ces enceintes. Donc voilà, c'est tout simplement bluffant. Et aussi maintenant, elles sont très rares. On a du mal à les trouver, ces enceintes-là, elles sont assez rares. Voilà.